Allez, salut à tous, c'est MaFi230 et bienvenue pour ce nouvel épisode de Wolfenstein, The New Wonder. Et c'est parti pour un petit récapitulatif de l'épisode. La fête sous-marine de Sept utilise le glisseur pour trouver un accès au dépôt d'armes dans les catacombes de Berlin. Anya suivra ta position grâce au profondeur et elle te fournira des informations tactiques. Bonne chance, Blazkowicz. C'est parti. Mission sous-marine. Oui. Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Tu vas devoir traverser les tunnels des égouts pour atteindre les catacombes de Berlin. Ouais, ouais, t'inquiète. Je vais essayer de te guider. Vas-y, guide-moi. Vas-y, vas-y. Par contre, c'est quand tu veux que tu me guides. Hein. Ça me rappelle Jack 3, ça. Un truc qu'il faut naviguer comme ça. Wow, wow, wow. Je crois que ça va être le carnage pour naviguer là-dessus. Oh oui, ça va être le carnage. Tu devras peut-être descendre du glisseur pour supprimer les obstacles qui te barrent la route. Mais n'oublie pas où tu ah bon vas laisser. C'est ta seule source d'oxygène. D'accord, genre là. Tandis que je regarde avant. Genre là, je sais pas passer, c'est ça. Ah ouais. Ok, je le laisse là et moi je m'en vais ailleurs, c'est ça. Non, il y a rien qui pourrait m'aider là. Du côté peut-être. Où est-ce que ça pourrait m'aider? Je vais vérifier là. J'étais un gamin, mais la vague rouge arrivait. J'ai désobéi à mon père et je me suis plongé dans l'eau. C'était comme si ma peau était en feu. Non. Remontons, on va quand même pas crever comme ça. C'est bien d'avoir le couteau, mais ah, ça on peut l'utiliser ici. Je vais changer de mode. Voilà. Du coup, maintenant je peux remonter et y aller. Ok. C'était comme si ma peau était en feu. Oui, on a compris. Mais t'inquiète, là ta peau est plus en feu. On peut continuer. Drôle du système, mais assez marrant. Juste sous la prison d'Eisenwald. Ah bon? Caroline m'a dit que quelques prisonniers avaient essayé de s'évader par les égouts avec des objets de valeur il y a quelques années. Ils ont raté. Ils ne sont pas allés très loin. Ah, je peux pas aller par là. Ok. Que je dois me démerder par moi-même. À 13 ans, je suis tombé dans la mare près des étables. C'est ça, c'est tout son histoire. Au même système, je suppose. Voilà, on y retourne encore. Ok, ça va pour l'instant, c'est. C'est assez simple pour l'instant. C'est assez simple pour l'instant, on peut poursuivre tranquillement. Ça va, c'est assez marrant en plus comme truc. La lumière. Il y a quelque chose que je voudrais te dire. Quoi? Je vois la lumière pour l'instant. Je suis en train de lire un journal que m'a donné ma grand-mère. Ah bon? C'est celui de ma cousine Ramona. Elle travaillait avec nous à l'asile. Elle est morte depuis. Ah merde. Mais elle protégeait de nombreux secrets. Genre quoi? Comme elle ne pouvait se confier à personne, elle a tout mis par écrit. Hein. Je vais t'envoyer les messages radio dans ton journal. Tu pourras les écouter si tu en as le temps. Si tu veux. Écoutons ça. C'est en polonais, mais je vais te traduire. Vas-y. 11 mai 1940. Ça ne fait que 3 jours que je suis rentrée, et voilà que les nazis ont débarqué en ville. Ils ont tué Jakub Brożek. Une balle dans la tête. Son cheval bloquait la route. C'est lui qui m'avait appris à embrasser. Je ne peux pas les laisser faire impunément. Et il n'y a que le 1? Ah oui, il n'y a que le 1. Ok. Moi, j'aurais écouté le 1. Poursuivons. C'est pas ici que je vais trouver des journaux, en tout cas. Hein. Si tu les as, c'est toi qui les as. Moi, j'en ai pas. Autant qu'on est en surface, ça va, ça se passe bien, mais... La section dans laquelle tu te trouves est désaffectée depuis longtemps. Mais certaines machines sont peut-être toujours en état de marche. Repositionner les roues. Ok. On s'arrête là. Et on est reparti. Oui, il y a une échelle là, je suppose que.
La suite est là. Pour l'instant, ça c'est calme, c'est assez posé là, quand même cette mission. On me dirait, c'est pas plus mal, c'est tranquille comme ça. Du coup, c'est ça. Ouais. Ah d'accord, j'ai compris, il faut que je relâche jusqu'à ce que je peux passer. Je sais pas si je vais passer. J'ai nagé dans pas mal de cours d'eau dans ma vie. On verra. Aucun aussi froid que celui-là. On verra bien si on passe là ou pas. Bon, on passe nickel. Ah, par contre, le deuxième, on passe pas comme ça. Et repuser, c'est bon, mais. Ah! La suite. Je vais devoir me démerder moi-même, je vois. Ok. Du coup, on va prendre ça parce que je crains le pire. Autrefois, ce bassin servait à réguler les débordements. Tu vas devoir trouver le moyen d'atteindre la plateforme de l'autre côté. Ouais. Ça va aller. Enfin. J'espère. Ici, il y a quoi ? Plusieurs quartiers du centre de Berlin ont été dévastés par le bombardement de Royal Air la nuit dernière. L'attaque a déclenché des incendies de grande envergure que des flammes. Ok. Rien de bien important, juste des faits divers. Ah, le numéro 2. 12 mai 1940. Les nazis se sont installés dans le poste de police. Ils demandent aux habitants de s'engager dans leur armée. Je vais me porter volontaire pour trouver un moyen de les tuer. Pour trouver un moyen de les tuer. Ah, il faut que je remonte l'eau. D'accord. Du coup, maintenant, il faut que je retourne, c'est ça. Ok, on y retourne. Ah bon? Ouais, on y retourne, mais... faudrait que je vois bien. Tant plus, il est nerveux, le type. C'est ça qu'elle disait, rappelle-toi où ce que tu l'as laissé. Ouais. J'aurais mieux dû me rappeler, au fait. Ah, j'attends le passeport. Dans la dernière section, il va falloir nager. Les catacombes ne sont pas loin. Quoi? C'est pas là quand même. Seulement que je retourne. Par là, non? Ou alors ça, c'est tout ce que j'ai et du coup. On a pareil là. Ouais, du coup, ouais. Ok, je vais devoir aller par là à la nage. Ok. Tout simplement. Bon ben. Allons-y. Je savais qu'il aurait été servi pendant un petit temps, mais. Pas aussi longtemps que je le croyais. Yaga! À 11 ans, j'ai traversé le lac Forni à la nage pour gagner Paris. Et du coup? Mais il y faisait moins sombre. Ça, il se débrouille bien en nage. Quand même vite. Ouais. Hors planche. Ça pourrait être partout. Ok. Tu vois comment ça se passait. Ok, on a compris le délire. Ah bon. Ok. Tout simplement. Reprendre le couteau. Et on nage pas assez vite, hein. Ça, on l'avait capté. Merci à la petite mine qui était là, comme par hasard. Du coup, d'abord là à gauche, on va pas continuer, que ça sert à rien. Qu'il y a des éléments ici à gauche. Alors, rien d'important. Rien d'important encore. Dehors, dans le noir. Ah bah dis donc.
Prends mon autre code. Ouais. On dirait que je les ai pas tellement depuis longtemps. Mais ça j'y ai pas. Ça j'y ai pas, ça j'y ai pas moi. Du coup on poursuit, c'est ça. Du coup. Poursuivant. Et Yago. Voyons voir ce qu'il y a en dessous. Ah, j'ai eu. Numéro 5. 29 novembre 1940. Le nazi a l'air de raffoler des saucisses. Je l'ai découvert après l'avoir empoisonné. Il continuait de manger son dîner malgré le cyanure qui devait engager le goût. Ses yeux se sont révulsés, mais il ne s'est pas arrêté. J'ai volé le cyanure à maman. Parfois, je suis frappée par le remords. Mais ensuite, je repense à Jakub Brochek. Putain, en fait, elle a tué tout le monde, cette femme-là. Je sais pas ce qu'elle voyait, pas. Ah. J'ai plongé dans le puits pour sauver la montre de mon père. Mais c'était bien moins profond. Ça, je me dis. En fait, à chaque fois, mais. C'était pas comme ça, hein. Là, c'est la pire expérience de ma vie. Wow. Par contre, remonte bien. Où est-ce qu'on va arriver ici? Ok. Ça a l'air d'être tranquille ici. Où est-ce que je suis? J'ai déjà eu un point de sauvegarde, c'est que. C'est quelque chose d'important. Les catacombes sont juste au-dessus de toi. On va quand même reprendre ça pour l'instant. Il y a un ascenseur qui te conduira directement au dépôt d'armes. D'accord. Voilà ce que Ramona a écrit. 2 mai 1941. Le nazi a l'air d'être fatigué après l'amour. Je l'ai découvert après avoir senti ses petits soldats couler entre mes cuisses. Son visage est devenu bleu quand je l'ai étranglé avec une corde dans son sommeil. Demain, je fêterai mes 18 ans. D'accord. Elle a été même jusque là. Du coup, poursuivons. Tiens. Et tchoum. Wow, wow, wow. Chut, ça. Tiens, je l'ai senti passer. Travail, Blazkowicz. Tu as réussi à t'introduire dans le dépôt d'armes. C'est la seconde étape du plan pour accéder à la cachette sous-marine de Seth. Tu trouveras un train de marchandises dans un petit entrepôt de munitions. Il est rempli d'armes à feu, d'obus, de torpilles. Tout un arsenal destiné à alimenter la machine de guerre nazie. Tu vas voler ce train. Ah bon. Les armes à feu pourront nous servir à renforcer nos combattants. Et notre priorité est de sécuriser le torpille. Elles te permettront de prendre le contrôle d'un sous-marin nazi. Attends, le laser est maintenant équipé d'un stroboscope. Vous pouvez, quand vous tirez, ce dispositif produit un flash lumineux aveuglant qui désoriente temporairement les cibles lui faisant face. Mais chaque pas mal. Son temps. Vole le train. D'accord. Trouve le train et conduis-le à la gare souterraine abandonnée de Nord. Changement. Cela précise t'attendra là-bas. Cloud sera prêt quand tu le rejoindras. Ok, ma petite. Quoi, j'ai pas assez ouvert? Comme ça, ça s'est ouvert? Ça s'est ouvert comme ça. Waouh. Ça pue ça. Je sais pas pourquoi ça pue. Ici, je sais pas aller. Non, je sais pas aller. Au fond, y'a quoi? Y'a rien? Ok, au fond, y'a rien. On va poursuivre. Et le dernier jour là, on va l'avoir quand? Oh, y'a des coups de ralentissement, je sais pas pourquoi. Là, le dernier journal. 29 mai 1941. Le nazi a l'air d'être relativement paresseux. Je l'ai découvert après en avoir semé 3 en portant une caisse de grenades. Je crois que je suis enceinte. Je regrette de ne pas savoir tirer. C'était le dernier journal. Ok. Maintenant, c'est tout. Comme j'avais dit, ce garde. Et du coup, poursuivons. J'allais dire, c'est la date cam. Mais pas du tout, en fait. Malheureusement, j'ai pas de silencieux sur ça. Et il a l'air d'en avoir 2 du commandeur. Est-ce que je retire une balle sans me faire repérer? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Comme de fait. Dégage le Klebs. Ok, c'était une mauvaise idée. Merde, ça recharge. Changement.
se recharge. Merde, je peux pas toucher de là. Là ça colle pas. Là ça compte. Allez, allez, allez. Bon. Eh, ça te suffit pas autant. Là-bas. Ah mais il va se ramener vers moi, non? T'as lui, il est toujours pas mort, c'est vrai. Non, non, il l'est. Allez, recharge, recharge, recharge. C'est bon. Il est où? Ah! Une vraie arme. Ok, il est là. Bon, je l'ai eu. Y'a plus d'autres, si. C'est bon. Toujours pas. Il reste un quelque part. Je sais pas où. Où ce qu'il peut être. Où ce qu'il peut être, où ce qu'il peut être. J'en ai pas la moindre idée par contre. Et j'allais dire la musique s'est calmée, mais pas vraiment en fait. Ok, je suis au maximum de ça. Y'a rien d'autre? Non. Sauf de l'autre côté. Il doit y avoir un passage déjà. Ou je ne sais pas, mais il y en a un. Mais c'est bien. C'est parti. C'est une blague. Putain, je me suis fait déglinguer par contre. Ouais. C'est pas comme ça qu'il fallait faire. On va peut-être se la refaire autrement. Peut-être se la refaire autrement. Comment? Je ne sais pas, mais autrement quand même. Discret, ça va être chaud, non? De le faire discrètement, ça. On va essayer, mais je pense que ça va être chaud. Déjà, il faut se remettre au couteau, alors. C'était par là. Déjà, il y a moyen de passer par en dessous. Ouais, ouais, ouais. Ce serait déjà plus intelligent de ma part de passer par en dessous. Si tu sais passer par en dessous, c'est que tu sais le faire discret. Comment, je ne sais pas, mais il y a moyen. T'es juste au-dessus. Juste au-dessus qu'il est l'autre. On sait pas le tuer ainsi. Et si j'ose taper avec mon couteau, je pense que je serai un homme mort. Qui va descendre ici. Non, je me suis chié. Ouvre-moi ça. D'où est-ce qu'ils arrivent à me tirer dessus? Ah ok, de là. Moi je le sais. Du coup maintenant on va reprendre ça. T'as une zone détectée. Je vais être de la merde moi. Je vais vraiment être de la merde. C'est bon. C'est bon. C'est pas ça qui va me sauver. Wow. Ça, des munitions, j'en ai pas mal là. Pas qu'il y en a qui arrivent de par la gauche.
n'est pas qui s'est ramené par là. Sauf maintenant. Ils agissent bizarrement. Vous me direz, tant mieux, ça m'arrange, mais... Bon, où sont les autres? Ok. Lui aussi est mort. Je sais pas si c'était le dernier. Mais c'était un d'eux. Là-haut. Retournons voir. Il a l'air de pas en avoir plus. Le problème c'est qu'ils me disent que c'est ça. Et ça me dérange fortement que c'est ça. Hein, sauf que je suis passé par là. Ok. Ouais, pour revenir là. Utilité. J'en ai pas la moindre idée l'utilité que ça a. Pour le peu d'utilité que ça a. C'est juste que je viens ça, non? Ouais, ouais. J'arrive comme ça. Et les trois entrées, c'est la même chose, non? La troisième, où ce qu'elle mène? À un cul-de-sac? Ouais, ça a l'air d'un cul-de-sac. Du coup, aucune utilité aussi. Prendre celle à deux pouvoirs. Bah non, ça sert à rien, y a plus que. Qu'une balle. Enfin, deux balles. Ouais, du coup, j'ai pas le choix, c'est ça? Ouais. Ici avec quoi? Avec ça? On se barre. C'est bon, c'est lui, il va pas savoir monter. Ou alors il est vraiment fort. Il y a quoi dans ce passage? Je préfère pas aller là. Je peux te poursuivre. Merde. Ça va, ici je suis protégé. C'est parti. C'est une blague que je dois aller là. Oh non. Ça veut dire que je vais devoir vraiment me le taper. C'est là que je fais des dégâts moi. On va plutôt essayer avec ça parce que... Ça a l'air plus efficace avec ça. Et contre lui, ça n'a pas l'air de l'être. Ça n'a pas l'air très efficace face à lui. Ça mène par où ça? Je peux essayer de voir où ce que ça mène ça, mais... Ah, gilet verbal. Bon. Ah ouais, c'est le... Dégage. C'est d'où que je viens. Il y en a encore un. Ok. Ah, je me disais bien d'avoir un vu un autre. Avec ça, avec eux, c'est mieux ça. Sors. C'est bon. Charge. Et l'autre, il est où? Ah non. C'est une blague, ils sont deux.
J'espère que j'ai juste pas mes balles dans le bois là. Et merde, j'ai presque plus de balles en plus. Réfléchis, comment tu peux faire? Merde, je vois vraiment pas comment faire. Comment je peux faire? Je suis vide. C'est lequel que je dois monter? Celui-là? Je sais même pas. On va dire que c'est celui-là. Démarre. Wouh! On l'a eu! Tout va bien? Personne t'a suivi? Ouais. Ouais? Comment ça, ouais? Non! J'ai une connaissance qui livre au chantier naval. Alles in Ordnung, Horst. Du, nimm nicht so viele Kissen, sonst merken die, dass etwas nicht stimmt. Ja, ja. Ils fournissent des torpilles à tous les sous-marins nazis d'Europe. Tu te cacheras dans cette torpille-là. Horst la remettra avec le reste. Et tu te réveilleras à bord d'un sous-marin pour le petit déjeuner. Dès qu'on a le sous-marin, on rejoint la cachette de 7. Compris? C'est le marin. Dans les pattes. Pan pan clic boum. Allez, bon sang. Tiens-moi ce machin pendant que je le vide. Ok, Coral, Johnny. Rentre dans la torpille. Une fois à bord du sous-marin, plaque ce truc dans la salle du poste radio. Et déploie les balises radio. On reste en contact. Les rêves s'estompent. Ils semblent si loin. Je veux retrouver la lumière. Ouais, la lumière, comme tu dis. J'espère qu'on la verra, cette lumière. De ce que je sais, c'est que ça sera dans le prochain épisode qu'on se passera ça. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter. Pour dire votre avis, la prochaine fois, on essaiera de mettre les signaux radio. Et sur ce, n'hésitez pas à commenter pour dire votre avis, comme j'ai dit, et à laisser un petit j'aime pour faire connaître ce let's play. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, et surtout, portez-vous bien. Oh yeah!